Quand je recrute un coureur, je passe beaucoup de temps à discuter avec lui. On a au moins 2 à 3 rendez-vous avant d'abord de commencer à parler de l'aspect financier. J'ai besoin de comprendre et de savoir ce que l'athlète qui est en face de moi a dans les tripes. J'ai besoin de savoir où il en est. Est-ce qu'il a besoin de se remettre en question, relancer sa carrière? Et puis on évoque aussi des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec le cyclisme, rien à voir avec le sport. Moi, ça me permet un petit peu de me faire un avis sur la personnalité, le caractère du coureur. Parce que je crois que c'est important d'insuffler une philosophie à un groupe, à une équipe. Et il faut voir si les personnalités des uns et des autres peuvent rentrer dans la philosophie que je souhaite apporter au groupe, qui est un petit peu un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas une équipe construite autour d'un leader. On peut tous être leader un jour et être équipier le lendemain. Je pense que c'est très important qu'un cycliste, quel qu'il soit, puisse à un moment donné entrevoir la victoire, qu'il puisse avoir ses propres objectifs pour gagner. Je pense qu'il faut préserver pour tous les coureurs d'une équipe cette notion de victoire. Ensuite, on doit s'inscrire dans un collectif. C'est pourquoi je pense sur le Tour de France, le fait de donner à chacun la possibilité de gagner une étape, on le voit depuis que le Tour est parti. Ils sont toujours dans les échappées. Faut pas la préparer n'importe comment. Il faut pas engager les coureurs un petit peu au hasard. Ça se prépare longtemps à l'avance. Nous, dès le mois de novembre, on a déterminé 12-13 coureurs capables de le faire déjà physiquement, qui arrivent à maturité. Il y en avait d'autres en plus, mais on a voulu créer une équipe et créer un collectif. On a une équipe française, donc on doit quand même veiller à ce que les 2 tiers de l'effectif soient français, c'est quand même important. Donc dès le début de l'hiver, lors des premiers stages d'entraînement, l'équipe du Tour de France a commencé un petit peu à vivre ensemble, à travailler ensemble, à se retrouver sur les compétitions ensemble. Donc on est monté en puissance petit à petit comme ça, et c'est surtout dès le début du mois de mai que ces coureurs étaient engagés toujours sur les mêmes épreuves, à partir notamment du Tour de Romandie, Tour de Catalogne, entre autres. Voilà, ça a été pour nous une manière de préparer le Tour de France. On a aussi fait un stage d'entraînement, un stage de reconnaissance de cols dans les Alpes, parce qu'on va monter des cols qui sont inédits cette année. Mais vous me direz, monter des cols, c'était peut-être pas utile parce qu'on n'a pas de coureur grimpeur et capable de gagner soit à Hautacam ou à l'Alpe d'Huez. Mais c'était pas tellement pour préparer des étapes du Tour de France, c'était pour vivre ensemble, pour communier ensemble. C'est ça pour nous qui était très intéressant. Ça commence bien 2 3 mois avant, où je commence à évoquer auprès des coureurs ce que j'attends d'eux sur le Tour de France. Je leur explique pourquoi ils ont été sélectionnés sur le Tour de France, pourquoi d'autres n'ont pas été sélectionnés aussi sur le Tour de France. Donc ils peuvent commencer à s'y préparer. Ensuite, non, ensuite c'est un petit peu eux qui décident. C'est-à-dire qu'une fois que le départ est donné, c'est eux qui sentent un petit peu si les sensations sont bonnes, si les jambes sont bonnes. Et c'est donc eux qui doivent se porter déjà dans les premières places du peloton pour, dès le drapeau baissé, pouvoir attaquer. Donc là, c'est eux qui décident. Et puis,
petit à petit, comme ça, on rentre dans une spirale, il y a une émulation, et puis ensuite, nous, dirigeants, on a juste besoin d'entretenir ça. Et quand je les écoute parler le soir au dîner, le matin au petit déjeuner, je les entends se dire aujourd'hui c'est moi qui attaque, et l'un qui répond non, 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 c'est moi, je l'ai dit hier avant toi, comme des enfants dans une cour de récréation. Donc je me dis voilà, c'est gagné. On va, je pense, pour la première semaine de ce Tour de France, remplir nos objectifs, d'être présent à l'avant, parce qu'avant de gagner, il faut être devant. Et puis cette façon de voir les choses, bah, nous a permis d'en gagner une avec Samuel, là où personne ne l'attendait, même pas lui, à Nantes. Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie et on s'en souviendra aussi, nous, toute notre vie. Donc je me dis qu'au bout d'une semaine, on ne s'est pas trop trompé, on sait faire du vélo. En cyclisme, on n'a pas cette notion, par exemple, de troisième mi-temps. Hein, c'est rare quand on fait quelque chose. Mais alors, sur le Tour de France, là, on commence à savourer, on sait savourer. Alors, j'avoue qu'on a beaucoup bu. Et on a rigolé, on a pleuré, on s'est enlacé, enfin voilà, on a chanté, c'était tout simplement la fête, quoi, vraiment la fête. On s'est réveillé un petit peu avec le mal de crâne, mais voilà, ça a été un moment de bonheur, et une fois que les coureurs se sont couchés, parce que quand même à 22 h on a veillé qu'ils allaient se coucher, nous on a prolongé la fête jusqu'à 1 h du matin, sans trop faire de bruit, en sachant que nous aussi on doit repartir le lendemain. C'est une équipe extraordinaire qui nous procure beaucoup de joie. Et pour gagner cette joie, il faut gagner leur confiance. Et c'est difficile. Il y a des moments très difficiles, mais ça vaut le coup de surmonter ces moments pour vivre ce bonheur sur le Tour de France. Elle ressemble de plus en plus à ce que je crois. À ce qu'on doit véhiculer, en tout cas dans le cyclisme. L'équipe qui est présente sur le Tour de France, oui, elle ressemble à ce que j'aime dans le cyclisme. Il y a encore du boulot, mais je suis sûr qu'on va y arriver.